Hey tout le monde, ici c'est Elwolf. Donc aujourd'hui on se retrouve sur The Destiny, le let's play évidemment. Donc on part sur Mars, on se fait la ville ensablée. Donc c'est parti. Niveau 17, ok, on lance l'activité. Donc comme vous pouvez l'entendre, je suis super content. Je sais pas ce qui se passe, mais sur Twitter, ça follow Mars, hein. Vous êtes plus de 500 au moment où je vous parle. C'est un truc incroyable. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a augmenté d'un coup. Clairement, vous êtes passé le mot et ça fait super Il plaisir. semblerait que les cryptarques s'intéressent beaucoup à cette région de Mars. Écoutez, les cryptarques rêvent depuis des années de pénétrer la zone d'exclusion et d'explorer la ville ensablée. Selon eux, Eleutheria engendra des merveilles de technologie. Les cabales ne doivent surtout pas les détruire. D'accord, toujours cette voix de folie. Donc ouais, franchement, masse followers sur Twitter, je vous kiffe, franchement c'est super. Les juste un cabales auraient truc, pu s'il raser vous toute la plaît, ville. abonnez-vous à S'ils la ne l'ont pas chaîne. fait, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose de précieux. Nous devrions les suivre pour savoir ce qu'ils cherchent. Ok, donc on va aller au point. Donc franchement, abonnez-vous à la chaîne, ça peut que m'aider. Lâchez des commentaires, vous laissez un petit like, histoire de dire ouais, ce que tu fais c'est bien, c'est pas de la merde. Bah déjà, j'ai pu capter que vous adorez les tutos, parce que c'est principalement les vues de ma chaîne en fait, les tutos. Donc merci, hein, et ouais, si ça pouvait être pareil sur... Je cherche sur des transmissions cabales. Qu'on s'appelle sur mes vidéos let's play, ce serait super. Ok, donc on va essayer d'esquiver un petit peu dans le bâtiment 5. Ok, bâtiment 5. Donc j'ai changé d'arme, hein, comme vous pouvez le voir. C'est par là. Oh non, merde, c'est un point de spawn. Putain. Bon, je pense que je dois essayer à droite. Ouais. Merde, j'ai raté. Ça, coup de coup, là. Calme. Ok. Ça fait bizarre quand tu prends une balle dans la tête, il y a le truc qui part en fumée ou je sais pas quoi. Donc ça, comme vous pouvez le voir, maintenant c'est plus tranquille. Hein. Il n'y a plus vraiment d'adversité, hein, on va dire. Hein. Ok, tac. Petite amélioration qui fait plaisir. What? Mais le mec est arrivé en à fond. Laissez-moi vérifier. Ok, le gros était nul. Ok, ça c'est bon. Super charge. J'ai une clé de réseau. Par ici. Oh putain, un coffre. T'as voulu me le carotte, hein? Ben non, casse-toi. On va poser le spectre. Ok, toujours, hein, pareil. Apparemment, les cabales ont des éclaireurs positionnés tout en haut de l'autre gratte-ciel. Ils ont dû trouver quelque chose d'intéressant. Allons voir ça. Ok, donc on va descendre. Donc faites un petit jump au cas où quand vous arrivez en bas, parce que clairement ça peut arriver que si vous sautez de trop et que vous jumpez pas, vous explosez les jambes tout simplement, vous atterrissez sur les jambes et vous voyez votre vie qui fait tout 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 tout. Vous êtes pas content. Par contre leur tête on dirait vraiment des cochons, enfin, je sais pas, je sais pas vraiment ce que c'est, donc c'est assez bizarre. Clovis Bray, un centre de recherche scientifique, défense interplanétaire, développement d'IA, études du voyageur. Cet endroit pourrait être une mine d'or. Si tu le dis. Il y a des ennemis. Ok, réapparition limitée. On va essayer d'esquiver tout ça. Hop, passe. Voilà. Limitant le combat parce que clairement je pense que c'est pas ce que je voulais. Enfin. Si vous voulez voir du combat, allez sur les vidéos d'Evex. Parce que clairement, c'est là où ça tire de partout, non-stop. Merde, on peut pas passer par là. Parce que des fois, il y a des petits golden chests, comme vous avez pu le voir juste avant. Ils sont dans les points de spawn.
Ok. Salut les Vex. Les Vex qui s'invitent à la pète, normal. Ok, on va sortir le snipe. Hop, hop. Oh merde. Non, j'ai raté deux balles, oh là là. Ok, c'est bon. Alors comme vous avez pu le voir, il a pas eu qu'une balle à la fin pour le tuer, quoi. Les gars, moi je suis arrivé en mode bon bah vous vous tapez dessus, bah moi j'arrive, je vous tue. C'est tout simplement, je suis comme toi. Comme vous pouvez le voir, mon arme elle est puissante hein, quand même. Depuis que j'ai changé, c'est plutôt pas mal. Ok, est-ce qu'on peut passer par là? Ouais, ça passe, c'est bon. S'en fout d'eux. Non, c'est toi qui m'a tapé là, qui m'a fait aussi mal. C'est le gros, ok, c'est un gros avec un bouclier. Ok. Y a rien par ici, y a pas de coffre. Donc il faut toujours un petit peu explorer hein, quand vous progressez. Je détecte une activité étrange, non. Autre que les cabales. Peut-être qu'il y a un coffre là au-dessus là. Hop. Non. Non, pas du tout. Bon, ouais, donc quand vous explorez, vous pouvez tomber sur des golden chests et qui renferment généralement des équipements. Donc, des fois c'est puissant, des fois c'est nul à chier, mais bon, il faut toujours regarder pour être sûr. Donc, nous progressons. Par contre, là, je suis en train de me poser la question. Les fenêtres sont cassées, mais il y a du sable. C'est la logique. Le sable peut rentrer, même la fenêtre. C'est quoi qui fait cette lumière? Ah ouais, effectivement. On peut bien le voir ce truc hein. Tu te calmes. Et... Il y a un mec avec des roquettes à la droite, il y en a un qui me tient sur celui-là, il y a clairement celui-là qui a l'air plus puissant. Oh, les roquettes qui me montent mal. Ah d'accord, derrière ça me tient. Ah, voilà. Laissez-moi tranquille, je vais faire ma vie. Voilà, je vais essayer là. Ok, ennemi derrière moi. Des fois c'est bizarre, il y a écrit immunisé alors que je tire clairement sur eux. Quoi. Enfin, que je comprenne que quand je tire... Quand je tire sur le bouclier, ok, mais là. Ouais, donc vous me les laissez sortir un petit peu parce que, comme vous avez pu le voir, l'espèce de champ de force là qui est juste là, vous en fait, oh, putain, le headshot quoi au couteau, ça l'a mis en one direct. Ouais, donc, comme vous avez pu le voir, ben, en fait, ça arrête les balles et donc, résultat, ben. Et ben, vous perdez des balles et vous pouvez pas tuer le mec, tout simplement. Par contre, ça, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est ça qu'il faut. Rester à proximité, je sais pas, tout le genre. Ben, y a pas vraiment d'objectif, donc si on nous amène là, c'est pour ça. C'est pour ça. J'ai un petit peu paniqué, évidemment. Ah ouais, d'accord, ok, vas-y. Super char. On va te régler ton camp dans ta bouche. Voilà, allez. Un nouveau point de grimoire. Carte du grimoire, pardon, excusez-moi. Ok, par contre là, si c'était cette juste machine, la première flag. Elle est encore active. Laissez-moi l'analyser pour voir. Oh putain, what the fuck. Il y a un gros trou et on peut pas passer. D'accord, ok. Ok. Analyse. Vas-y. Ok, vas-y. Évidemment, à ce moment-là, il va y avoir masse ennemie qui va arriver.
était autrefois connecté à l'esprit tutélaire de Mars. Il n'y a rien par ici. Quoi? C'est déjà fini? Non mais LOL! Bon ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Il la contrôle, je ne peux pas y accéder. Et les cabanes non plus. Rasputin est partout maintenant. Nous devons le trouver. Ok, Rasputin. C'était une vidéo assez rapide, hein, parce que clairement, je crois que ça a duré à peu près 10 minutes. Hein. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc, apparemment, vous kiffez Twitter. Hein. Est-ce que j'ai débloqué quelque chose? Non, évidemment, comme d'hab, ça change pas. Hein. Et donc, si vous avez apprécié, tout simplement... mettez un petit pouce pour me dire, voilà, j'ai bien aimé, ça me fait toujours plaisir. Commentez si vous n'avez pas aimé, tout simplement. Et on se dit à la prochaine. Allez, à plus !